I'm here to show the world. I'm here to show the world. C'est Demon Swan. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K14. Ce sera un match entre Christian et Randy Orton pour le titre de champion du monde poids lourd en Extreme Rules à SummerSlam. Bon, moi je voudrais faire le SummerSlam 2011 parce que ouais, ça a été un gros match. Et donc je vous laisse revoir tout de suite l'histoire entre les deux hommes. Et puis on se retrouve tout de suite après. Introducing the challenger from St. Louis, Missouri, weighing 245 pounds, the Apex Predator, Randy Orton. And his opponent. Et donc voilà, ça y est, c'est bon, on a vu l'histoire entre les deux, vous voyez que c'est quand même un truc de fou. Hein. Comme ça, on a même pu assister au turn L de Christian. C'est dommage parce que ce mec, comme il dit, il a attendu 17 ans pour avoir un titre solo, on va dire, je pense. Parce qu'il a eu pas mal de titres par équipe avec Edge à l'époque. Et donc, franchement, c'est dommage qu'il ait eu un turn L quoi, à cause d'une ceinture. Bon, après, à la WWE, l'or, c'est pas vraiment... On va dire que Christian, c'est pas le premier à s'être fait corrompre par
le souhait d'avoir une ceinture. Je veux dire, on a eu Christian, je crois que Orton, je sais pas vraiment si on peut appeler ça un turn elk. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment la patte du gain qui est fait, je pense pas que Orton soit à cause de ça. Mais oui, parce que Orton a fait un turn elk récemment, c'était au SummerSlam aussi de 2014. Ouais, c'est ça, SummerSlam 2014. Après le match entre John Cena et Daniel Bryan, l'intervention d'Orton pour le titre qui a bien été aidé, on va dire, par Triple H. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est à cause de la ceinture qu'il ait fait un turn L. Je pense que c'est plutôt à cause de Triple H, du fait qu'il soit associé à lui par la suite, et que comme le Shield n'était pas très apprécié, qu'il soit au service d'Orton n'a pas non plus appuyé son image, on va dire. Donc voilà, le petit turn L d'Orton. Il y a eu plein de turn L à cause des titres, notamment CM Punk, mais lui c'était en 2010, vous inquiétez pas. Quand il a gagné le titre, lui, au contraire, ça l'a propulsé au top. D'ailleurs, c'était Mr. Best in the World face à John Cena aussi au SummerSlam. Je crois que c'était au SummerSlam 2012, je crois. Je crois que c'est ça, 2012-2013, encore champion. Ouais, je crois que c'est ça, parce qu'il est resté champion pendant un an. Voilà. Franchement, en plus, c'était en 2010, la rivalité avec Jeff Hardy pour le titre de champion du monde poids lourd. Ça aussi, c'était une grosse affaire. Alors, donc, si je fais ce match, déjà, c'est parce que je suis un grand fan d'Orton. Pour moi, c'est un match qui a marqué son histoire personnelle, on va dire. Rivalité avec Christian, enfin, victoire après toutes les merdes qui s'est passé. Franchement, moi, je dis bravo. Moi aussi, je vais vous raconter un peu vite fait mes projets, on va dire, sur les jeux de la WWE. Là, pour l'instant, c'était la première vidéo, la vidéo annoncement, on va dire, tout ça. Donc voilà, un petit match Extreme Rules. Bon, à la base, c'est un No Holds Barred match, c'est-à-dire il n'y a pas de règles, pas de disqualification. On fait tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et donc, pour le petit résumé du No Holds Barred match. Et donc, c'est la première épisode, on va dire, d'une longue série franchement irrégulière, je pense. Où donc on aura des matchs de légende, surtout des matchs qui ont eu lieu à WrestleMania. Par exemple, le match de WrestleMania 3 entre Hulk Hogan et André the Giant. Un match super, quoi, parce que franchement, c'est la fin de la rivalité entre Hulk Hogan et André the Giant, un nouveau champion couronné, et la première défaite aussi de André the Giant en 15 ans. Donc c'est hallucinant, c'est un truc de malade. Donc voilà, des matchs comme ça, hein, franchement, qui ont marqué l'histoire, style celui-là. Après, on a eu aussi Ultimate Warrior contre Hulk Hogan, je crois que c'était WrestleMania 4, ou après des matchs comme Stone Cold versus The Rock. Et à WrestleMania 19, la première victoire de The Rock à WrestleMania contre Stone Cold. WrestleMania 20, Goldberg contre Brock Lesnar. WrestleMania 24, Shawn Michaels contre Ric Flair. Et la défaite de Ric Flair qui a conduit à la fin de sa carrière. WrestleMania 28, Triple H contre Undertaker, la fin d'une ère. C'est enfin vraiment des gros matchs, quoi. Et après là, le deuxième épisode donc de ma série match important de WrestleMania, on va dire, ce sera le match de WrestleMania 29. Ouais, ça, WrestleMania 29 entre The Shield et justement Randy Orton, Sheamus et Big Show. Et donc là, comme vous, je pense faire aussi un montage comme j'ai fait pour cet épisode là, donc avec montage partie jeu et partie promo du match officiel. Franchement, Tierco sur l'échelle, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, en gros, pour le projet. Maintenant, je vais revenir à tout ce qui nous intéresse maintenant, le match, c'est-à-dire Christian Orton. Donc je vais lui faire la misère à Christian, la totale. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien du match entier, parce que j'ai trouvé en entier sur une autre chaîne. C'est là que j'ai pris une des promos, ouais, parce qu'il y en a une qui était vraiment pour annoncer le match de SummerSlam, et l'autre plus pour annoncer le match de Money in the Bank. Alors là, j'ai mis les deux pour avoir une histoire globale, en fait, de ça. Et donc voilà.
Mais là, franchement, Christian, je vais vraiment lui mettre la totale. Comme vous verrez dans le match, il a vraiment pris cher. Je suis juste dégoûté de pas avoir réussi une chose. C'est le RKO sur l'escalier. Ah ouais. Ah franchement, c'était le truc obligé. Vous verrez à la fin, j'ai essayé de faire plein de fois un RKO en l'air, mais j'ai jamais réussi. C'est bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Mais moi, bah, franchement, c'est énorme, quoi. Le RKO de Orton sur l'escalier. Waouh. C'est vraiment ce qui a marqué le tournant du match, parce que le match s'est fini là-dessus. Hein, donc, bon, là, je fais un peu comme Orton dans le match. Je sors un petit peu tous les objets. Tout ce que je peux trouver, ce que je peux prendre, je le sors, je le mets sur le ring, y'a pas de soucis. Même s'il y a plus de place à la fin, on s'en bat les couilles complets, mais gros. Hein. Excuse-moi, monsieur l'arbitre, j'étais un peu. Oh, putain, ça m'a foutu des boules pendant le match, parce que bah, d'un coup, y a plus rien à prendre sous le ring, ça fout le seum, quoi. Va te pendre, enculé d'arbitre, saloperie de ring. Mais bon, je vais quand même réussir à lui faire la totale. Excusez-moi pour le gros blanc là. Alors donc par contre ouais, je vais lui mettre la totale dans tout ce qui est les moves oh my god, les OMG comme vous avez vu tout à l'heure. Bah je vais tous les rentrer hein, c'est pas compliqué, je vais tous les rentrer. Enfin tous ceux de Orton du moins. C'est à dire bah là il y avait la superplex extérieure depuis le coin, le passage à travers la table des commentateurs, et vous allez voir qu'il y a des tables, bah, ils vont prendre plein la gueule hein, voilà. Aussi le DDT sur le tablier. Le tablier c'est la surface quand on fait un tag. Attendez, je vais vous montrer. Bah là où est-ce qu'il y a la tête de Christian, bah c'est ça le tablier en fait. C'est la bordure du ring juste à l'extérieur là devant. Mais non, je me suis fait chier à chercher, mais au final il y a toujours rien à prendre. C'est super. Ah oui, c'est parce que voilà la table. Donc voilà, je disais les Oh My God Moves. Voilà. Donc je vais tous les passer. Hein, et puis là, je vais faire passer à travers tous les objets qu'il y a sur le ring. Sauf la ceinture et la béquille, parce qu'on peut pas. Mais bon, voilà. Ah, et je crois la chaise. C'est moi qui vais y passer aussi. Ok, échec. Allez. Par contre, ça fait du bruit, hein, une poubelle quand ça bouge. Oui, donc là, je vais me faire un gros fail. Hein. Je vais essayer de lui mettre une superplex sur la poubelle. Je vais rater, évidemment. Comme par hasard. Hop, là, donc on le met dans le coin, comme il faut. On le retourne, hop. Je le mets carrément en haut. Et là, on fait la superplex et je vais complètement rater. Je vais me faire plusieurs fails comme ça, d'ailleurs, dans le match. Hein. Une fois, je vais le mettre en arrière aussi. Essayer de le faire tomber sur l'échelle, je vais rater le chien. Voilà, donc en fait, il n'y avait rien. J'étais carrément au milieu, nickel. Posé à l'ancienne. À l'ancienne, Rebe. À l'ancienne. Attention. Voilà. Et après, il y a un des nouveaux moves OMG que j'ai vachement kiffé. Et c'est vraiment, je crois, ça doit être le pire, quoi. Le pire, enfin, le plus agressif, quoi. Le plus violent. C'est le coup de pied, l'écrasement de la tête dans le poteau. Ouais. Vous allez voir, c'est. La poubelle! La poubelle! Oui! La poubelle! Oui! Il a niqué la poubelle! Oh mon dieu! Ce mec est un éboueur! Éboueur de merde! Ah oui, c'est vrai. Donc là, je sais pas pourquoi il y a eu un gros bug. Déjà. Mais en gros, c'est moi qui suis passé à travers la chaise. Déjà, voilà, pour faire plaisir. Je crois que la table est pétée aussi, là-bas. Ah non, elle est pas. Power Slam by Orton. Tiens, qu'est-ce que... Ah oui, alors là, j'ai essayé de faire un peu comme dans le match. Après... Ah non, parce que là, je me suis rendu compte que j'avais raté. Donc, je vais essayer autrement. En fait, dans le match, Orton est arrivé... bah, pareil, il avait posé la table exactement là. Et en fait, il lui a mis un power slam et il est passé à travers la table. Et moi, eh ben, je l'ai raté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'ai raté mon power slam. Voilà. Oui, bon, là, j'avoue, c'est un peu dégueu comment il est passé à travers. Donc, je le ferai d'une autre manière plus esthétique après, on va dire. Alors, ça, le brise d'eau, c'est vraiment une prise emblématique de Orton, quoi. Franchement, la WWE, il y a que lui que j'ai vu le faire, hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre l'utiliser.
Bon, remarque, tant mieux, c'est un petit peu la marque de fabrique, comme leur KO, ou le punt kick, ou le DDT dans les cordes. Il y a vraiment que lui qui les fait, quoi. C'est pour ça que j'aime bien Orton. Dans pas mal de prises, en fait, c'est beaucoup des prises bien à lui, uniques, que personne d'autre n'utilise. Parce que quand on regarde les prises de Cena, à part le FU, le Attitude Adjustment, si vous préférez, le. Comment il s'appelle ? Le STF, le 5-knuckle shuffle, le You Can See Me, quoi, si vous préférez. Franchement, ça, c'est les trois prises qui sont propres à Cena. Hein. Après, toutes les autres sont utilisées par la majorité, par vraiment tous les autres catchers. Quoi. Sauf peut-être le. Comment ça s'appelle Ouais, je sais plus, mais il y en a peut-être une autre qui est vraiment à lui. Mais toutes les autres prises, tout le monde les utilise, tout le monde fait pareil. Alors qu'Orton, vraiment, il y a la majorité de ses coups, c'est que lui. Le RKO, le DDT dans les cordes, le punt kick, le backbreaker. Il y a quoi encore? La manchette portale européenne. Il y a que lui qui fait ça. Il y a que ce mec. Oh, les Power Slam aussi. Bon, dans le jeu, ils en ont foutu un petit peu tout le monde, mais sinon, c'est que lui à la base. C'est propre à Orton, quoi. Et c'est ça qui me plaît, c'est sa personnalité, son genre unique, en fait. Là, je vais te niquer, mon pote. Peut-être après, quand même. Là, tout de suite, je suis en mauvaise posture, je reconnais. Je reconnais tout, toutes les marques. Quoi ? Mais c'est une blague ! Je crois que je vais prendre un kill switch, comme dans le match, mais un seul, je vais y résister. Oui, donc bon, ça, c'est pas exactement... qui je voulais faire. Ouais, une échelle encore, ouais, je lui prends tout ce que je peux. Hein. Étant donné que je suis passé à travers la première, on va s'arranger pour que lui passe. Oula, petit coup de barre. Pour que lui passe à travers cette deuxième échelle. Ouais, d'accord. Mais bon, là je vais vous dire un truc, je suis vraiment content qu'il m'ait fait son finisher à l'extérieur du ring. Parce qu'après il se chie comme ça. Parce que ça m'aurait fait chier, franchement. Après, je sais très bien que. Merde. Que s'il me l'avait fait dans le ring, en fait, je sais très bien que j'aurais pas. Il aurait enchaîné sur un tombé. Et que j'aurais peut-être pas pu m'en sortir. Facilement, ou m'en sortir. Donc, bah, je suis content qu'il l'ait fait à l'extérieur. Comme ça, en plus, il s'est carrément chié son air shrub derrière. Donc, j'ai pu m'en sortir assez facilement. Il frappe moi avec l'échelle. Je te dirai rien, mon coup. Bam. Voilà. C'est kill, papa. Allez, relève-toi. Quoi, le public? Oh, la gueule de la femme, toi! Oh, on dirait une chinoise en mode pyramide, c'est comment elle s'appelle? Tomb Raider! RKO! RKO by Orson! Ouais, j'ai un petit peu changé les coups spéciaux et les finishers parce que. Voilà, ça m'énervait un peu leur Tom Stomp. C'était un petit peu nul. Et comme le RKO, bah, en fait, quand vous avez finisher, vous avez le choix entre le RKO. Mais pas le même, le RKO, le RKO 2, nouvelle génération du RKO qui existe depuis WWE 13, ou le Punt Kick, qui est la plus grosse marque de fabrique d'Orton, qui a envoyé beaucoup plus d'une personne à l'hôpital, comme Shawn Michaels par exemple, Triple H je crois, Vince McMahon. Ah, le voilà. Il est magnifique, il arrive. Oh! Oh mon dieu! On revoit l'action Philippe! Il lui a complètement défoncé la tête! Mais non! Orton a mis un chewing-gum sous la chaussure, il voulait voir de plus près, il y avait le poteau à côté, faut pas chercher à comprendre! Il a eu peur parce que Pierre arrivait trop vite, il a tourné la tête, il s'est posé la tête contre le poteau, faut arrêter les conneries là! Oh. Ouais, je sais, je me suis pas parlé très très vite d'un coup. Qu'est-ce qu'il fait? Oui! Sur l'échelle! Peut-être? D'accord, DDT. Ah non, si, ça y est. Ça, c'est l'autre que j'aime bien, le nouveau. Le DDT. Sur le tablier. Oh mon dieu. Il lui a explosé la tête, Philippe. Mais oui, évidemment. Oh. Oh mon dieu. Bah non, ça doit vraiment être douloureux. Je ne me demande pas qu'on le fasse. Et là, je vais essayer de me dépêcher d'aller prendre la guitare. Qui a maintenant disparu. Rends-la-moi. Mais genre, le mec du public, il se pointe avec une guitare comme ça, on le laisse rentrer, et d'un coup, bah, la guitare, elle disparaît, quoi. Mais normal, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est mon bâton Kendo. Hey.
C'est mon bâton de kendo. Vas-y. Non, c'est le mien. Petit fight pour un bâton de kendo. Je crois qu'après il y a la même pour une chaise. Ouais, parce que je vais reprendre une chaise. Je vous dis, c'est un Extreme Rules match. On va dire que. Là, du Goki. Putain, j'arrive pas à entendre qui c'est qu'ils encouragent. Ils disent let's go, mais let's go qui. Je sais pas. Bon. Bref. Ok, échec total. Voilà. Vous viendrez pas chez nous par hasard. Oula. Oui, l'échelle en tête. Ah. La chaise qui va être sujet de problèmes, on va dire, entre Christian et moi. D'abord, je vais lui péter le pied. Je vais lui péter le jeu. Le truc sous la tête, là. Entre la tête et le torse. Ouais, le cou. Bah ah, mais il a pris la chaise. Ok, d'accord. Il y a eu un sprint. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous non plus. Tant mieux, on est trois. Ouais, on sait jamais, peut-être vous regardez la vidéo à deux, on est trois quoi, tu vois. Ça... Mais non, mais c'est parce que dans ma tête, on est beaucoup. Mais rends-moi la chaise! C'est la mienne! This is my chair, bitch! Surtout que sur la chaise, t'as une putain de tache de sang. Donc tu devines tout de suite à qui elle est. Hein. Tu te dis, ouais, c'est à Christian, c'est obligé. Il peut pas être Orton, il saigne pas, il est tout propre. Peut-être un peu luisant. D'ailleurs, j'ai remarqué ça. C'est que depuis WWE 13, en fait, ils ont fait une belle avancée au niveau des graphismes. Déjà, le sang, la plaie, elle saigne de plus en plus, alors que avant, c'était une avalanche de sang d'entrée. Voilà. Le sang, quand vous le frappez, bah, vous en aviez pas sur vous. Mais bon, là, j'ai essayé, on va dire, de le réveiller pour qu'il saute, que je mette un RKO dans les airs. Ça a pas marché. Et donc, comme je disais, quand vous frappiez quelqu'un avant, à partir de WWE 12 et qu'il saignait, et bah vous avez rien sur vous, alors que là si vous voyez la main d'Orton tout à l'heure après que j'ai mis une patate, et bah j'avais du sang sur la main. Comme je vous dis, là le sang de Christian, bah ça coule au fur et à mesure. C'est vraiment pas une avalanche d'un coup, c'est petit à petit, hein. Et tu ne mourras pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, t'as fini? T'as pas cliqué? Voilà. Et donc, ouais, donc je disais le sang, donc ouais, c'est vraiment bien fait, ils l'ont bien amélioré maintenant qu'il y a du sang un peu partout, ouais, beaucoup plus qu'avant. Sur les mains, sur les objets aussi. Bon, sur les objets, ça a jamais trop changé. Bon, là, je me suis fait un fail total. Et ouais, parce que je voulais mettre l'échelle au milieu pour le faire tomber dessus. Ça a pas marché. Ah, la provoque pourtant. RKO. RKO, motherfucker, bitch, yeah! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu te relèves? On se relève pas. Bref, j'ai fini mon explication. Et donc, après, en plus du sang, regardez la main gauche d'Orton. Non, droite, pardon. Celle qui est dans les cordes, là. Il y a du sang dessus. Voilà, donc c'est le truc bien fait. Bon, après, il y a certaines prises, je suis dégoûté parce qu'ils les ont mal refaites, style double kick. C'est trop. Tellement pas assez automatique, en fait, qu'on voit trop que c'est mal fait, je trouve. Par rapport à avant, ça faisait plus automatique. Plus, on va dire que c'était plus synchro, tu vois, là c'est tout décalé, c'est tout moche, le pied c'est un raté total, enfin bref, c'est dégueulasse. Quoi. Voilà, donc maintenant je finis mon explication. ils ont fait aussi genre la transpiration, les larmes et tout. Bon, pour les larmes, je dis ça par exemple parce que vous verrez ça dans le match Ric Flair Shawn Michaels. Après, vous voyez les larmes aux yeux de Ric Flair, bon, vous les voyez pas, elles sont pas flagrantes, mais vous les voyez quand même un peu, et vous voyez à quel point c'est bien fait quoi. Après, avec Sheamus, Big et tout blanc, et bah au bout d'un certain nombre d'atémis, bah il est tout rouge sur le torse. C'est tout rouge quoi. Attention, je vais y arriver. Oui. Le RKO dans les airs. Pas exactement comme je l'imaginais, mais quand même dans les airs. Et donc, ouais, Sheamus, il est tout rouge quand vous frappez. C'est tellement bien fait quoi. Maintenant, vous voyez limite la transpiration des mecs. S'il a jamais vu le gars, il a une crotte de nez, vous allez l'avoir. Si jamais le mec il s'est chié dessus quoi, qu'il a un false implant, bah oui, trace de merde quoi. Mais c'est dégueulasse bordel. Mais c'est n'importe quoi. C'est bien fait. Mais c'est n'importe quoi. Je suis pas d'accord là. Non, y a un problème hein, signor. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Mais on t'en bat les couilles ce que tu dis. Va te faire foutre. Là on vient de célébrer la victoire du champion. Le nouveau champion du monde poids lourd. Et c'est Randy Orton, bitch. Prends-en de la graine. Et ouais, prends exemple sur toi. Qu'est-ce que c'était que ça? Le mec il avait une pièce de Scrabble dans les mains quoi. CH. Le mec il veut marquer Charles. Ou Christian peut-être, tu me diras, ça marche aussi. Ah, et ça, la nouvelle célébration. La célébration de Randy.
Ours. Bon, par contre, ils ont trop fait la célébration de Hell en fait. Pas assez face. Quand il était en mode face, l'arbitre lève la main, il prend le titre, comme ça aussi. Et voilà. Bon, bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos là-dessus. Allez, ciao tout le monde.